Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo astuce sur iOS 14 encore les amis, et aujourd'hui on va parler des solutions d'accessibilité. Tout le monde connaît quelqu'un qui a peut-être un problème d'handicap, que ce soit visuel, auditif, peut-être même au niveau des membres inférieurs ou supérieurs. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des différentes solutions d'accessibilité qui ont été améliorées sous iOS 14. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Vous verrez dans les prochains mois pourquoi. Aujourd'hui donc parlons d'iOS 14 et ses solutions d'accessibilité. Alors tout d'abord, pour rencontrer ces solutions d'accessibilité, on se dirige sur réglages. Une fois dans réglages, déjà la section accessibilité est sortie puisqu'à l'époque elle se trouvait dans général. Vous savez tous que la section accessibilité est déjà bien fournie depuis plusieurs années, depuis l'iPhone 4, et s'est améliorée encore et encore depuis l'iPhone 4S et jusqu'à l'iPhone de nos jours. iOS a vraiment eu beaucoup de succès auprès des personnes aveugles, auprès des personnes malvoyantes, avec tous les outils d'accessibilité, et iOS 14 a encore renforcé le côté accessibilité. Cette vidéo est faite vraiment pour vous montrer la puissance d'iOS au sujet de l'accessibilité. N'hésitez surtout pas à la partager si vous avez quelqu'un autour de vous qui peut utiliser un iPhone via Siri, via VoiceOver. Beaucoup de solutions sont existantes. C'est quoi VoiceOver pour beaucoup de gens qui peut-être ne connaissent pas? VoiceOver, vous le retrouvez dans Vue. VoiceOver est un lecteur d'écran spécialement adapté aux personnes aveugles. Car pour beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, si vous ne savez pas, aujourd'hui l'iPhone est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. De par ce lecteur d'écran, si on l'active par exemple, VoiceOver activé, réglage, déprimation, reconnaissance de l'activité, navigation vite en tête, langue, conseil pratique, volume, débit local, 55%, reconnaissance par VoiceOver. Voilà, vous pouvez entendre ici que l'iPhone parle. Et grâce à VoiceOver, les personnes en situation d'handicap de malvoyance peuvent utiliser un iPhone comme tout le monde. Tout est accessible, de Safari au mail, au message. Fils, livre, App Store, podcast, page 2, assistant autour. Aux écrans d'accueil, l'intégralité de l'iPhone peut être utilisée par quelqu'un de malvoyant. Donc n'hésitez pas autour de vous, si vous avez des personnes en situation d'handicap visuel, un grand-parent, un frère, un ami, n'hésitez pas à lui dire que son iPhone peut être utilisé en toute sécurité et en toute accessibilité. Pour l'activer, soit vous vous rendez dans Réglages, Accessibilité et vous actionnez le bouton VoiceOver, ou deuxième solution, vous utilisez Siri, désactivez VoiceOver. VoiceOver est désormais désactivé. Ou vous l'activez en lui demandant activer VoiceOver. Très bien, VoiceOver est désormais activé. Ou deuxième solution, vous pouvez l'activer avec ce que l'on appelle le triple tap sur le bouton. VoiceOver désactivé. Donc vous pouvez aussi l'activer avec le triple tap sur le bouton marche arrêt. Pour les iPhone 10, ça se passe à droite. Ou sur le bouton Home pour ceux qui possèdent un iPhone 6S, iPhone 6, 5, etc. Voilà comment on active cette fameuse fonctionnalité VoiceOver, qui est donc une accessibilité spécialement prévue pour les personnes en situation de handicap malvoyant. On continue. Alors pour les personnes qui n'aiment pas du tout le lecteur d'écran et qui n'aiment pas entendre leur téléphone parler, ils ont un système de zoom. Lorsqu'on active le système de zoom, ici, avec trois doigts, deux fois rapidement, on va actionner ce qu'on appelle un zoom. Et regardez ici ce qui se passe. On peut, avec deux tapes, trois doigts, je laisse poser, je peux augmenter ou diminuer le grossissement sur mon iPhone. Là aussi, ça peut être très utile pour les personnes en situation de handicap visuel malvoyant, puisque le téléphone ne parlera pas. Mais là, les personnes pourront voir en gros ce qui se passe sur leur écran. C'est plutôt cool, intuitif. Et fluide. 1, 2, et on enlève le zoom. On continue les amis. On a donc un système de loop, ce qui veut dire que vous allez transformer votre iPhone en une vraie petite loupe de poche. Vous rentrez dans loop,
vous l'activez. Une fois que vous activez cette loupe pour avoir accès, vous faites un triple tap sur le bouton marche arrêt. Un tiroir s'ouvre et ici, vous pouvez voir que loupe devient accessible. Une fois que vous avez mis loupe en place, votre iPhone devient une vraie loupe à main. Plutôt pratique pour des seniors qui ont un petit problème visuel et qui veulent par exemple voir ce qui se passe sur leur courrier, leur enveloppe ou toutes ces petites choses très embêtantes de la vie quotidienne qu'ils ne peuvent plus voir. Surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez encore plus de vidéos sur le côté accessibilité, des vidéos un peu plus approfondies. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On revient en arrière. On peut s'apercevoir aussi qu'on peut jouer sur l'affichage du texte, ce qui veut dire que vous pouvez grossir plus ou moins les éléments du texte. Ça, c'est sympathique aussi pour les personnes malvoyantes qui n'ont pas besoin de lecteur d'écran. Alors, lorsqu'on rentre dans cette page, il y a une multitude de fonctionnalités, texte en gras, on peut grossir le texte plus ou moins. C'est vrai qu'il y a pour chaque item beaucoup de solutions d'accessibilité dans l'iPhone et iOS 14 s'est encore amélioré de ce côté-ci. Des possibilités de description audio, c'est-à-dire qu'on peut se faire décrire des images, on peut se faire décrire des photos, on peut se faire décrire du texte. Aujourd'hui, par exemple, VoiceOver est capable, de par l'appareil photo de votre iPhone, de vous lire un texte que vous avez pris en photo. C'est vraiment énorme et c'est vrai que ça peut aider vraiment beaucoup de gens dans leur vie quotidienne. Attaquons le côté physique et motricité. Aujourd'hui, on a eu une très grosse avancée côté physique et motricité, c'est le toucher. C'est l'option toucher. Cette option est vraiment énorme puisque on peut maintenant dédier des gestes derrière le dos de notre iPhone pour faire une capture d'écran, pour activer la loupe, pour activer VoiceOver, tout ce que je viens de vous expliquer. Et ça, c'est plutôt énorme. On va tout de suite aller voir dans cette fonction. Alors, lorsque vous rentrez dans toucher, la fonctionnalité se trouve tout en bas de votre iPhone. Cette option s'appelle toucher le dos de votre appareil et on a deux choix, toucher deux fois ou toucher trois fois. Alors, ce que je vous conseille, attention, sur le toucher deux fois, c'est de mettre une fonction qui va en aucun cas perturber vos habitudes sur votre iPhone puisque le double toucher est très sensible et à la moindre occasion où vous tapotez ou il sent que vous tapotez deux fois dans le dos de votre iPhone, ça va exécuter l'opération que vous avez demandé que ça fasse. Ici, par exemple, on va rentrer dans toucher deux doigts. Regardez ici la multitude de fonctionnalités qu'on peut mettre sur cette fonction. C'est vraiment énorme. On va, par exemple, lui demander de faire une capture d'écran. Ça, c'est plutôt sympa, puisque normalement, on appuie sur bouton volume haut et bouton marche arrêt pour faire une capture d'écran. Ici, je vous montre. On a notre capture d'écran. On va maintenant lui demander de faire ça par un double tap dans le dos, c'est parti. On a donc le choix ici, capture d'écran, qu'on valide. Maintenant, si je fais un double tap d'un doigt derrière mon iPhone, regardez ce qui se passe. Ma capture d'écran se fait seule automatiquement. Ça, c'est vraiment génial et c'est une des grosses nouveautés sous iOS 14. Franchement, à ne pas négliger. Et ça, peut-être même sans handicap, ça peut vraiment vous aider dans la vie quotidienne. On va revenir en arrière. Bien sûr, vous pouvez gérer avec un triple tap d'un doigt et mettre une autre fonctionnalité, ça peut être sympa. Voilà pour cette fonction toucher qui me paraît bien utile, aussi bien pour les personnes en situation de handicap que non handicap, ça peut être vraiment pratique. Ensuite, nous avons Face ID et attention, le contrôle de sélection qui, toujours pour les personnes à mobilité réduite. Alors, beaucoup d'outils d'accessibilité qui vraiment sont là et aide les personnes en situation de handicap tous les jours. Passons le côté auditif, le côté audition. Les personnes en situation de handicap auditif n'ont pas du tout été oubliées et ça, c'est vraiment super chouette. Dites-moi déjà ce que vous pensez de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissaient pas le côté accessibilité de l'iPhone, avez-vous découvert des choses ou pas? Une option qui vient tout juste de sortir, c'est la reconnaissance de son et ça, c'est vraiment génial. On rentre à l'intérieur. Alors, dans cette reconnaissance de son, ça veut dire que là aussi, ça peut être utile pour tout le monde, mais si vous avez des grands-parents, vous avez des personnes autour de vous en situation de handicap auditif, ça peut être très utile. Vous pouvez donc l'activer sur ce bouton. Alors, vous avez toutes ces fonctions à activer, chien, chat, bruit, écoulement d'eau, sonnette, tapement sur la porte. Dès que vous tapez, donc une notification vous est envoyée comme quoi quelqu'un a sonné.
Voilà pour le bruit du chat, franchement ça marche super bien, c'est le top. Voilà pour le côté accessibilité auditive, c'est plutôt pas mal. Ces nouvelles options, elles sont vraiment le bienvenu. Audio-visuel, vous pouvez donc activer le flash LED pour alerte lorsque votre téléphone reçoit une notification ou un appel. Ça, c'est vraiment efficace. Votre flash se met en marche dès que vous avez un appel. Ça, c'est cool. D'ailleurs, dans ces nouveautés, vous avez une nouvelle solution pour les personnes malentendantes dans FaceTime. Si une personne parle avec le langage des gestes, cette personne restera au premier plan et les autres resteront en arrière-plan. Ce qui voudra dire qu'une personne malentendante pourra donc avoir une conversation avec son interlocuteur à partir de FaceTime. Si on continue donc juste dessous la partie audition, l'option générale, accès guidé et une des options super géniales pour Siri. Si on rentre à l'intérieur, vous avez donc la possibilité d'écrire à Siri au lieu de lui parler. Mais l'option super intéressante ici dans cette fonctionnalité, toujours écouter pour dit Siri. C'est quoi cette fonctionnalité? Franchement, cochez-la, n'hésitez pas, elle est hyper utile puisque grâce à cette fonction, vous allez pouvoir, même si votre iPhone est posé écran face au sol, face au bureau, votre iPhone vous écoutera quand même, vous aurez des possibilités de lancer le fameux dit Siri que vous faites d'habitude et votre iPhone pourra lancer un appel d'urgence au cas où. C'est une fonction d'accessibilité utile pour tous. Franchement, activer cette fonction, c'est super intéressant et efficace. Si je pose mon iPhone face au sol ou face sur un bureau, si je dis quand même le mot-clé, dit Siri, quelle heure est-il ? Il est 11h58. Voilà donc, cela fonctionnera quand même et c'est vraiment génial. Voilà pour toutes ces nouvelles fonctions d'accessibilité ultra utiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la commenter, à la partager, à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous pour continuer à m'encourager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !